Oui, aujourd'hui, c'est un atelier qu'on a mis en place avec le centre culturel et la bibliothèque. Et on a essayé de trouver quelque chose à faire entre le livre, mêler le livre, la photo et le numérique et l'internet. Et en même temps, comme il y a un concours photo organisé par le centre culturel, et bien s'intégrer dans le concours photo. Avec les jeunes, ils connaissent déjà, donc l'atelier va être plus poussé. On va aller un peu plus loin. Les seniors, ça va être beaucoup plus lent. On va y aller vraiment par étapes. Les seniors préfèrent un cours, quelque chose de récurrent pendant plusieurs mois pour le temps que ça se fasse. Avec les jeunes, c'est plutôt, on cible une journée, mais on donne beaucoup sur une journée. Ils absorbent beaucoup plus vite. Et donc, c'est vraiment des éponges. Quand on arrive, on donne beaucoup de choses et ils prennent tout. Et ils s'étonnent très vite aussi, donc ça c'est chouette. Et on a beaucoup de retours, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, on a beaucoup de retours. Parce qu'il y en a aussi, il y a beaucoup de jeunes qui pensent, on croit que beaucoup de jeunes connaissent tout. Et puis on voit dans les utilisations que par YouTube, Facebook, on a fait le tour et voilà. Et quand ils doivent faire un travail pour l'école, on se retrouve devant Word et là ils sont un peu plus perdus. Donc il y a une éducation à faire, oui, avec les jeunes. Ce qui est libre, donc ça va être Open Office, ça va être sur Writer, ou ça va être sur des programmes aussi de montage vidéo, ou de photos numériques, de retouches photo, des programmes comme ça, comme Picasa qui est gratuit. Sur les Mac, on a iMovie ou Final Cut pour faire des montages vidéo. J'essaye d'aller au plus simple. Pour moi, l'outil est toujours en évolution, donc qu'on prenne n'importe quel outil, finalement, on va s'y retrouver, on va comprendre le mécanisme, la logique de l'outil. Ça évolue de toute façon. Donc le but, c'est plutôt l'étincelle. Quand il y a des jeunes qui viennent chez des ateliers de musique aussi, quand les jeunes viennent et qu'ils arrivent à enregistrer 4-5 pistes, guitare, batterie, voix, et puis qu'on voit la petite étincelle dans les yeux, c'est gagné, l'atelier il est là, et l'espace numérique prend tout son sens à ce moment-là. Je pense que c'est une bonne idée, que c'est l'avenir, quoi. Je trouve que l'espace numérique doit être un centre de ressources pour sa commune. De toute façon, je trouve qu'il y a beaucoup de... On multiplie beaucoup les ASBL, il y a beaucoup de choses qui se font un peu partout. Et là, l'espace numérique, c'est le côté... La technologie qui va arriver et qui est au service de tous les autres assos qui n'ont pas forcément l'argent ou le temps. Si moi j'ai des appareils numériques, ça sert à rien qu'une autre ASBL en achète. Je viens là, on fait un atelier, il y a un échange. Et une dynamique. Et surtout dans le social, on se trouve souvent tout seul dans son coin. Donc là, on fédère, quoi.